Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de Ronald Koeman et du FC Barcelone. Alors les frérots, la défaite contre le Rayo Vallecano ce mercredi était celle de trop pour Ronald Koeman qui est bel et bien licencié par le FC Barcelone. Alors dans cette vidéo, je vous ramène les dernières informations. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On est parti. Alors les BG, bonne nouvelle pour les Catalans et bonne nouvelle pour moi aussi. Parce que d'après moi, Ronald Koeman n'avait rien à foutre à la tête de l'équipe. Et c'est désormais officiel, Ronald Koeman a été viré par le FC Barcelone. Sous pression depuis plusieurs semaines, Ronald Koeman avait été conforté par João Laporta, conscient qu'il serait difficile de se séparer de son entraîneur compte tenu des finances du club. Mais après la défaite dans le Classico contre le Real Madrid ce week-end, le FC Barcelone a encore chuté ce mercredi sous du Rayo Vallecano. La défaite de trop pour Ronald Koeman puisque le Barça vient d'officialiser son licenciement par le biais d'un communiqué. Je ne sais pas si mon avenir au Barça est en danger, confiait le Néerlandais après le match. Quelques heures plus tard, la réponse est donc tombée. Alors c'est pour moi une très bonne nouvelle, Ronald Koeman vient d'être viré par le FC Barcelone, reste désormais à trancher l'épineuse question de sa succession. L'un des favoris serait Xavi Hernandez, l'ancien gloire du Barça déjà évoqué à maintes reprises son rêve de reprendre l'équipe et pourrait se lancer tenter par une telle opportunité. Actuellement à la tête d'Al Sadd au Qatar, ce dernier pourrait quitter ses fonctions. Alors les frérots, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Alors pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Ronald Koeman va partir, Xavi Hernandez va venir. J'espère qu'il va donner le meilleur de lui. Alors les frérots, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et n'oubliez surtout pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut!